Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh ben, je vais t'emmener faire une soirée au Balkan. On va aller voir le dôme, on va voir tout le village du monde. Tu vas voir, on va bien se marrer. T'as une petite faim, Alex? Balkan. Allez. Burger. Ici, on fait des baguettes avec café de Paris. C'est Balkan ou c'est parisien? Waouh! Et le chef nous a présenté une belle miche Balkan. C'est une spécialité de Grèce, c'est la brochette poulet au porc. Et avec du tzatziki. Exactement. Ah bah ça y est, on est en Grèce, Florian. On va voir s'ils ont des bières Balkan. Bonjour. Ogmapele. Et de la bière serbe. Je vais t'amener voir quelqu'un qu'on connaît. Ah bah voilà. On est avec le FC Genelier Bonia. Ben ouais. Comment ça va? Bien et vous? Ouais, et Korab, village du monde, aux couleurs des Balkans, ça fait quoi? Ça fait plaisir, on voit déjà moi qui suis albanais. D'avoir quelque chose qui se rapproche un peu de mes origines. Qu'est-ce que tu fais là? On faisait un petit jeu à boire. Mais Korab, il est pas très bon. Je croyais que vous vous baladiez toujours avec la coupe vaudoise. Il faut qu'on la préserve. Elle est bien, bien dans l'armoire à la buvette, donc il faut qu'on la laisse là-bas. Comment on dit santé en albanais? Gzuar. Bonsoir, qu'est-ce qu'on mange? Je sais plus comment ça s'appelle. Ça a l'air bon. Ça a l'air très bon. Kafana, en fait, c'est une auberge de café. Ça vient du mot turc kahvehane, donc c'est salon de café. Ensuite, ils ont amené même de la musique live pour en fait faire rentrer les gens. C'est quoi les Balkans pour toi? C'est les chevap chichi. Ah, les chevap chichi. Hé, Florian, on m'en a parlé de ces chevap chichi. Chevapi, ça veut dire petite saucisse de bœuf. Et chevap chichi, c'est les petites saucisses. Et on peut voir? Génial. Merci. On peut la rendre à son propriétaire. Merci, bon appétit. Merci, bon appétit. Bon paléo. Oui, Alexandre, c'est ce qui s'appelle se claquer les bretelles. J'allais dire la tente frétille. Bonjour, il y a des danses balkaniques. Tout à fait. Il suffit d'agiter la main avec une certaine distinction comme ça. Est-ce que j'ai assez de distinction comme ça? Non, mais moi j'ai été à un concert cet après-midi. Regarde. Ah, voilà. Prends-moi par le coude. Alex, bon, ça, ouais. Alex, attendez. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Allez, 4 pas sur le côté. Là. Ouais, comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh là! On n'est pas très doué. Hein. Je dédicace ça à mes grands-parents. Oh. Regarde ce qu'il y a derrière nous, Florian. Moi, j'ai le fameux pont. Il y avait pas mal de ponts dans les Balkans, entre deux lacs, entre deux rivières. Et c'est très beau quand ça s'illumine de nuit, non? C'est très beau, effectivement. Alexandre. Oui. Si on l'empruntait. Il y a même des concerts. Et là, si tu veux prendre un cours de danse, c'est ici. Hein. En fait, ce qui est fou, Florian, c'est que les groupes qui jouent au dôme, eh ben, le soir, ils redonnent un deuxième concert ici, sous le pont, de manière un peu plus intimiste. Alors, on nous a dit qu'il y avait une vue incroyable sur Paléo, au-dessus de ces ponts. Ouais. C'est un peu romantique ce pont quand même. Ouais, c'est vrai. Mais... ils sont romantiques dans les Balkans, tu crois? Est-ce que pour vous, les Balkans, c'est romantique? Oui. Ça représente quoi, les Balkans, pour vous? Et voilà, et les copines partent. C'est des Balkans, les cheminées? Ça vient de Transylvanie, conçu par les Hongrois. Ça vous réchauffe parce que c'est une cheminée. Oh! Même Rodolphe, notre réalisateur, a fait « Oh !» Bon, eh ben écoute, Florian, c'était super sympa cette visite des Balkans. J'ai adoré. J'ai appris plein de choses. Maintenant, moi, je vais te laisser conclure parce que je file au concert de Zao de Sagazon à Vega. Allez, ciao! Ben voilà, écoutez, NRTV au Balkan, au village du monde. C'était la petite balade. Et puis moi, il va à Zao de Sagazon et moi, je vais manger une cheminée.